Archevêque et Pascal Gauthier, le porte-monnaie à Bitcoin. Savez-vous d'un gadget finalement son lendemain? Il est en train d'enflammer la planète des investisseurs. Comment vous l'expliquez? Déjà, les crypto-monnaies enflamment pas mal, je pense, les marchés. L'année dernière, il y a eu beaucoup d'actions. Et comme nous, on vend des coffres numériques pour stocker des bitcoins, des crypto-assets, eh bien, ça a bien marché aussi. On pensait en vendre 60 000 en 2017. Et finalement, on en a vendu 1 million dans 165 pays. Donc, l'entreprise a une croissance extrêmement forte. Et aujourd'hui, on est aussi 200. Ça nous a aidé pour la croissance. On a levé au total 70 millions d'euros. Et donc, l'entreprise travaille beaucoup maintenant pour continuer de développer ses produits et faire de Ledger vraiment un leader technologique mondial dans tout ce qui est sécurité et infrastructure pour applications blockchain. Ah ouais, c'est de la tech industrielle, il faut la fabriquer, cette clé de stockage, ce sera en France ? Pardon. Non, c'est ça. Elle sera fabriquée en France. Parce qu'il y a de l'industrie, en fait. C'est la matérialisation de l'immatériel total. C'est ça qui est incroyable dans votre aventure. Elle sera fabriquée en France, mais ce qui a intéressé surtout les investisseurs, c'est la technologie de base, qui est la technologie de la carte à puce, qui est quand même une invention française, et qui est ce qu'on a réutilisé pour ensuite développer ce produit. Donc, c'est fait en France, c'est de la technologie française, et le marché nous le rend bien. Bon.